Alors j'ai trouvé un moyen de charger mon téléphone en même temps que je fais le live. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de commencer. Mais je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps pour laisser l'opportunité aux gens de se connecter. Alors, comment ça fonctionne? Surtout que je suis en train de faire un tirage général comme ça, j'ai pas dit que je fais pour une personne en particulier. Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est ceux qui, bien évidemment, qui regardent la vidéo, ça touche leur énergie. Et puis, mais si vous êtes par exemple plusieurs d'un signe, ça va concerner directement certaines personnes. Donc, ce n'est pas tous les signes pour qui il sera question, mais ceux qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Okay? Il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à entendre ces choses, prêts à entendre leur vérité, donc ça ne va pas les toucher. Donc, c'est qui est ouvert en ce moment, okay? C'est qui est ouvert. Quand je dis ouvert à recevoir. On va commencer par Amon. Amon, c'est le bélier. Alors, Amon, est-ce qu'il y a des gens du signe bélier? J'attends que mes Amon se connectent. Ben, tout d'abord, bonne année à vous. Mes meilleurs voeux, mes chers Kamit, pour cette nouvelle année. Tous mes meilleurs voeux de bonheur. Je nous souhaite beaucoup d'élévation. Et puis, je dis aussi que cette nouvelle année sera un tournant aussi décisif. C'est une communauté qui grandit hein, au jour le jour et c'est vraiment merveilleux. Pour ma part, moi je suis là, ça fait un petit bout de temps, une dizaine d'années je peux dire. Et peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un peu ma description ici. J'aime pas souvent me présenter parce que la raison c'est que je ne veux pas laisser quelque chose. Je ne veux pas laisser un des chapeaux ou une de mes dimensions au fait. Je suis une personne qui connecte avec plusieurs de ces dimensions, ok? Alors, quand vous me voyez comme ça, c'est pas juste celle qui fait la divination. Non. La divination, c'est un outil, ok? Ça nous permet d'aider les autres, en fait, ok? Donc, je suis Imaru Omanda Kuruma et je suis guérisseuse de Sekhmet. Ma lignée ancestrale, ce sont les Malinkés, les Akans et aussi les Asiatiques, les Vietnamiens. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur moi? Je suis enseignante, j'aime enseigner, je suis enseignante, je suis sèche, j'aime enseigner. Mais j'enseigne ce que je connais. OK? J'enseigne pas ce que je connais pas. J'enseigne ce que je connais. Et j'enseigne ce qui m'a aidé à m'élever. Donc, c'est ça. Ce qui m'a aidé à m'élever, c'est ce que j'enseigne. Le thé est en train de bouillir, là. Je sens l'odeur. J'arrive.
Voilà, donc de retour, je disais, donc voilà, je suis aussi enseignante. Et qu'est-ce que j'enseigne? J'aime enseigner la tradition de Tamérie, c'est-à-dire l'Égypte, la tradition authentique. Hein? Et je suis aussi maître enseignante Reiki. Reiki, c'est des soins énergétiques. Donc, on apprend à soigner les gens avec l'énergie, tout simplement, en passant les mains sur eux à distance ou sur place. Voilà. Et je suis aussi, je dis, autodidacte de la thérapie naturelle des plantes et des huiles essentielles. Voilà, j'ai appris, en fait, les huiles des plantes, les huiles essentielles. Voilà, comme ça, en téléchargeant, en fait, grâce à ces chats, ok. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui m'échappent? En tout cas, bref, c'est ce que je peux dire pour me présenter. Si vous voyez Kuruma Lab un peu sur la toile, j'ai pas trop fait de marketing sur ça, mais c'est récemment que j'ai fait la page. Donc, Kuruma Lab, c'est ma page et c'est elle. Voilà, donc pour me présenter. Donc, c'est ça, je disais que j'ai plusieurs dimensions, je connecte à ces dimensions-là. La divination, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de regarder, de voir et de pouvoir mieux assister. D'accord? Otep, été pour à topé, dit Bombari. Merci Muriel. J'aime vraiment voir mes amis d'enfance qui se connectent. Et là, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Avouez, hein? Vous ne m'avez pas connue comme ça. Hein? Pour ceux qui sont mes amis d'enfance, là, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? J'ai une qui a fait ça, justement. Elle m'a dit, mais je vois les cartes, là, c'est quoi ça? Elle dit, mais c'est quoi ça? Oui, oui, je vous comprends. Mais qu'est-ce que je peux vous dire très rapidement? Ben, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une renaissance, c'est tout. Il s'est passé une renaissance. J'ai reconnecté enfin avec qui je suis et c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Alors, je suis connectée avec qui je suis. Je suis connectée à la source authentique au fait. J'ai réalisé que on nous vendait du fake, du faux. Ok. Surtout à nous, les mélanodermes là, c'est-à-dire les farafines, on nous vendait du faux. Et puis, on fonctionnait avec ça pendant longtemps. Ok. Et moi, je me suis réveillée, voilà. C'est ça. Bref, voilà. Aujourd'hui, c'est une divination pour tous les signes. Mbote, Bangui. C'est une divination pour tous les signes. On commence par Amon. Ok, Amon. Amon, il y a eu de la maladie. Il y a eu de la maladie. Donc, c'est, je précise, hein. Atopé, Otep. On dit initlé, ici c'est télé, hein? Initlé Modibo, Coran Modibo, initlé. Scorpion, je ne suis pas encore arrivée au scorpion, on arrive. Je suis avec les Amon, c'est-à-dire les béliers pour le moment. Et puis je vais faire une divination avec différents outils, car il n'y a pas que les cartes. Les cartes là, c'est les cartes, l'Occident a beaucoup récupéré, donc le symbolisme en fait, d'accord? De la divination et l'a mis dans les cartes. Donc voilà pourquoi on peut utiliser les cartes pour la divination, mais il n'y a pas que les cartes, on peut utiliser différents outils. On peut même rester là et télécharger. Voilà. Donc Amon, il y a eu de la maladie. Maintenant qu'on rentre dans cette nouvelle année, on va voir qu'est-ce qui arrive. Ok. Et puis pardonnez-moi hein, si je ne réponds pas parce que j'ai besoin de demander l'assistance au guide. Okay. On va voir qu'est-ce qui arrive. Patience! Patience pour les scorpions. Ah, ok. Alors toi, Amon, c'est beaucoup plus pour ce nouveau cycle, en fait. On dirait que tu vas laisser ton... C'est pas on dirait, non. Faut que je...
c'est pas on dirait, c'est que tu vas laisser tomber. Tu sais, tu as un côté fougueux et tout ça, et qui veut vraiment réalisation de tout ce qui est matériel. Tu veux vraiment réaliser, mais c'est comme pour ce nouveau cycle, le message est que ça va être beaucoup plus la famille. Donc, ça va être beaucoup plus l'aspect sentimental, d'accord, qui sera devant. Ok, bien sûr, les finances, mais c'est l'aspect sentimental qui sera devant. On parle d'engagement et tout ça. Ok, donc c'est ça. Voici qu'est-ce qui arrive pour toi, Amon Bélier. L'engagement, et puis aussi tu as nettoyé ton chemin, tu as fait des purifications. Donc waouh, c'est très spécifique en fait, c'est pour Amon qui a fait des purifications, qui est dans le cheminement en ce moment, qui va décider d'avoir plus d'épanouissement au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Voilà. Mais tu as aussi nettoyé ton chemin, donc beaucoup de choses vont véritablement marcher pour toi. Maintenant, si on se demande, mais c'est quel bélier, c'est ce qu'on va voir. Il s'agit de quel bélier? Elle. Ah, il s'agit de... Bélier, ok. Qui a accepté aussi de... Il y avait certaines choses qui étaient nocives. Il y avait des compagnies nocives autour. Donc, il s'agit d'un bélier qui avait de la compagnie nocive. En fait, toxique, des personnes toxiques autour d'elle. Et puis, elle a décidé de tourner le dos à ces gens-là. Donc, c'est précisément cette personne qu'on parle. OK? Ouais, j'ai envie d'être précise comme ça. On sait qu'on ne parle pas de... On ne fait pas du... c'est une femme. Donc, c'est une femme qui avait de la compagnie toxique, qui est du signe du bélier, qui alors va vivre ces changements-là pour la nouvelle année. OK? Donc, j'espère que c'est suffisant. Hein? Ou il y a peut-être autre chose à dire. Je vais tirer encore une autre carte. OK? Peut-être un message, en fait, un thème particulier. Je vais faire ça aussi pour tous les signes. Donc, pour résumer, je disais que le cycle à venir, Amon Bélier, ça sera beaucoup plus une année où tu vas, où ça sera plus les sentiments, en fait, les relations qui s'améliorent. Et tu as aussi nettoyé ton chemin, vraiment. Tu as vraiment, tu as fait un beau travail intérieur et tu es une femme, ok? Et pas dans le passé, dans un passé très récent, tu avais de la compagnie toxique, tu as accepté de tourner le dos à ça. Et crois-moi, ça t'est bénéfique en fait. Ça t'est très bénéfique. J'ai tendance à parler doucement. Hein? Donc, il faut aussi me dire si vous n'entendez pas bien. J'ai tendance à parler doucement quand je suis dans... quand je suis avec les... Avec eux. Avec eux. Parfait. Amon, le message, ok. S'il y a une chose, si tu as oublié tout ce que j'ai dit, mon cher Bélier, à retenir, c'est de garder ton authenticité, continue vraiment le travail que tu as fait par rapport à rester authentique au fait et ne pas te compromettre aussi. Ça, c'est important pour la nouvelle année dans laquelle tu rentres, ne pas te compromettre, rester authentique, mais aussi rester doux, si je peux ajouter ça. Ça, c'est moi qui ajoute. Donc voilà, je vous dis ce qui vient de... Ce qui vient de l'invisible, mais en même temps, je vous dis aussi ce que la personne a dit. Comme ça, c'est clair, ok? Donc, j'espère que c'était assez clair. On va passer maintenant au taureau, Waziré, le taureau. Bon, j'arrête de regarder comme ça, je ne veux pas être influencée là. J'arrête de regarder parce que je sais qu'il y a plusieurs taureaux qui sont connectés. Le taureau, les taureaux, c'est un signe qui m'aime beaucoup, hein? Hein? J'ai plusieurs taureaux qui sont là, qui me connaissent et ils sont là, ils sont,
quand on dit que le taureau est loyal, c'est vrai. Quand on dit que Wazir est loyal, je vous assure, c'est vrai. Il y a plusieurs taureaux comme ça qui sont là. Ça fait des années que je les connais et ils sont là. Je peux vous dire ça, je peux vous garantir. Oui, c'est du Bwiti. C'est du Bwiti, Djéouti. On est en train de regarder donc pour les Wazirés, les signes Wazirés. J'aime donner les signes astrologiques en fait dans Médou. Donc, Taureau. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Peut-être un autre côté. D'accord, toi tu décides plutôt de reporter certaines choses. Tu voulais faire un rassemblement. Tu voulais faire un rassemblement important. Et là, pour le moment, c'est en stand-by. Je m'excuse, je fais des signes, mais c'est pas des signes que vous comprenez, mais je me comprends parce que c'est les signes aussi reliés à la divination. Bref, tu voulais organiser un rassemblement, c'est en stand-by. Mais c'est pas pour rien, ok? C'est pas une mauvaise décision parce que il y a quand même une personne casse-pied qui est à l'intérieur de ton groupe, ok? Elle est peut-être pas ton groupe, mais enfin, quand je dis pas ton groupe, je sais que ça va te parler, ok? Ça va pas faire de sens, mais ça va, toi tu vas comprendre, ok? Toi à qui ça concerne, il y a quelqu'un de casse-pied qui est associé en fait à ton organisation ou bien ton projet, whatever. Donc son influence est encore là. Alors si tu viens de reporter donc l'initiative, le projet, c'est pas grave. Moi je me dis que c'est tant mieux. Ça sera donc l'occasion d'enlever donc cette épine là, cette personne casse-pied. Désolée, c'est comme ça vient au. Ça sera l'occasion alors de reporter ça. Et puis tu as quelqu'un à côté, vous faites les choses ensemble. Like. J'ai envie de parler avec. Vous faites les choses ensemble. C'est une bonne synergie, c'est une bonne association. Même si elle est caractérielle, même si elle a encore un peu de son ego, même si elle a encore. Tu vois, ces défauts qui peuvent déranger, mais c'est une très bonne association. D'accord? Voilà. C'est une bonne association, c'est ce que je peux te dire. Alors, c'est pas mauvais d'avoir gardé ça. Il y a aussi quelqu'un qui devait financer énormément. Enfin, quand je dis énormément, elle devait donner beaucoup par rapport à votre projet. Sauf que c'est comme si elle dort en ce moment. Hotep, Tara. Donc, c'est comme si elle dort. Je suis en train de faire la divination pour les Wazirés, signe du taureau. Ok? Alors, c'est comme si elle dort pour le moment sur ça. Je ne sais pas si elle va le faire. Vraiment, ça, je ne vais pas commencer à inventer là. Je ne vois pas. Je ne sais pas si elle va le faire. Mais ce que je peux te dire, ce n'est pas mauvais d'avoir... c'est pas mauvais d'avoir... comment on dit ça? Reporter le projet. C'est bon. Ok. Ok, non, celle qui devait financer, non. Finalement, il ne faudrait pas trop compter à 100%. Il faudrait peut-être plus compter sur d'autres ressources. Avoir des idées, hein. Commencer à développer d'autres idées parce que je ne vois pas qu'elle va finalement agir. C'est la personne qui devait financer énormément votre activité. Ok? On est en train de faire la lecture pour le signe de Wazir et le taureau. À part ça, je vois aussi des aspects familiaux, mais bon, on est en live, je vais pas toucher. On touchera ça si c'est des consultations personnelles, ok? On va prendre un autre outil divinatoire. Ah, ok, donc je venais de dire, depuis Kinshasa, haché, Otep, atopé, été pour... Bonne année à vous. C'est le cadeau que je vous fais en faisant une divination, ok, pour tous les signes. Je vous offre ça comme cadeau. Et puis j'utilise différents outils divinatoires, ok. J'ai des cartes et j'ai d'autres outils. Et puis j'ai les guides là, ok.
qui sont les guides? Eh bien, c'est les Netherou. C'est les Netherou avec qui on connecte. Enfin, les Netherou que nous sommes aussi. C'est ça la différence. Nous sommes aussi ces Netherou-là. Oui, oui, je suis contente, ma grande sœur. Je suis contente de te revoir. Je suis vraiment contente. Mais je suis là. Je suis là. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais maintenant mes activités en deux temps. Une partie où c'est, je veux que ce soit loin du réseau social, loin des écrans. On ne filme pas ça. Ok, je le fais. Et puis après ça, je viens aussi sur le réseau social quand même informer les gens pour dire que bon, ben, je suis là, je peux aider. Voici en quoi je peux aider. Voilà quoi, c'est ça. Parce que voilà, parce que notre paradigme à nous, on est aussi regardé. Hein, donc, oups, ok. Taureau, oui. Alors, Taureau, c'était qui? Ok. Ah, d'accord. C'est bizarre. Attends. Taureau, je continue. Oisiré. Ah, hein, ok, donc je vois ça encore. Ça se confirme encore. C'est-à-dire le rassemblement, le projet. Tu voulais aussi officialiser quelque chose par rapport à ce projet. Et tout ça, tu as l'impression que c'est en stand-by. Inutile échec, Anta. Donc c'est en stand-by. Mais j'ai envie de dire n'annule pas, parce que l'énergie en ce moment, c'est comme si tu as annulé, mais faut pas annuler. Faut pas annuler. Ok, faut pas annuler. On rentre dans un nouveau cycle, donc quand ça sera le bon moment, faudra le faire. Tu te sens aussi un peu déçu, justement. En fait, ça, c'est le futur. Tu vas te sentir déçu parce que au niveau financier, ce qui était attendu, ça va pas venir, ça viendra pas, ça se fera pas. Puis désolé, hein, je parle de façon complètement différente quand je fais la lecture. Mais la personne dont il s'agit, elle le comprend, quoi. Voilà. C'est ça. Ah, ok. C'est d'accord. Il s'agit de quelqu'un qui est connecté quand même, qui est beaucoup connecté. On parle de quelqu'un qui est... Quand je dis beaucoup connecté, donc c'est... qui a accès à l'intuition aussi. Mais c'est bon que je fasse la lecture pour toi, parce que tu sais quand tu as l'intuition, parfois pour toi-même c'est un peu you know. Donc c'est bien que je fasse la lecture pour toi, car tu l'avais peut-être déjà vu. Alors je viens juste confirmer. OK. Donc je viens de finir pour oui, un voyage aussi qui était prévu, tout ça c'est en stand-by. Ne te décourage pas, Oisiré, ok? Ne te décourage pas. N'oublie pas de venir avec des bonnes intentions pour la nouvelle année. Ok? D'accord, grande sœur. Ma grande sœur a demandé pour Capricorne. Est-ce que tu veux patienter un peu? Je vais d'abord regarder le Gémeaux. Je veux en fait suivre l'ordre, quoi. Donc, Oisiré, j'ai fini. Je vais peut-être te trouver un message important, un thème, peut-être. On dit persévérance, ok? Je n'ai pas besoin de regarder. On dit persévérance. On dit persévérance, persévère. Et puis, suis ton intuition. Arrête de regarder l'aspect, oui, mais telle personne a dit ça, c'est logique, elle paraît tant. Ton intuition te dit déjà que non, c'est non ou c'est oui. Donc, continue de la suivre. Donc, c'est pas pour rien que je fais la lecture pour toi, parce que tu le vois déjà, mais parfois tu vas t'obstiner. N'est-ce pas? Okay. Donc, alors, c'est bon pour Oisiré? Ok, d'accord, je vois que Capricorne est un peu pressé. Je vais faire Gémeaux, s'il vous plaît. Chou et Tefnout sont les Gémeaux. Donc, laissez-moi faire Gémeaux. J'ai déjà fait Bélier. Je viens de finir Bélier. Donc, il faudra juste regarder remettre la vidéo quand le live sera terminé. D'accord? J'ai déjà fait pour les Béliers. Lion, je n'ai pas encore fait. Je viens commencer pour les Choux et Tefnout.